OK, alors je vous rappelle que notre rapport d'impôt, il ressemble à ça. Il y a une section bleue qui s'appelle calcul du revenu, une section verte qui s'appelle calcul du revenu imposable, une section rose qui s'appelle calcul de l'impôt. On a tous vu ça dans le sujet 3, la présentation de la structure. Maintenant que la structure, elle est connue, il faut maintenant aller isoler, mettre la loupe sur chacune des lignes qu'il y a là pour aller étudier en détail chacune de ces composantes-là. C'est très compliqué de calculer du revenu d'emploi. C'est très compliqué de calculer du revenu d'entreprise et ainsi de suite. Donc, chaque ligne va mériter de 3 à 6 heures, des fois 9 heures d'études. C'est ce qu'on fait dans les semaines qui sont devant nous. Donc, on a commencé par mettre la ligne sur le revenu d'emploi. Le sujet 4 ne parle que de revenu d'emploi. Le revenu d'emploi, si on le regarde de plus près, il se sépare en deux. Certains éléments sont à inclure, d'autres sont déductibles. Donc, quand un employé se fait enrichir, il y a des inclusions au revenu d'emploi, et quand un employé s'appauvrit parce qu'il paye des dépenses pour gagner son revenu d'emploi, il y a peut-être des déductions. Donc, un moins l'autre, c'est ça qui donne le revenu d'emploi. D'ailleurs, regardez la table des matières. Sujet 3, les éléments à inclure. Sujet 4, les éléments déductibles. Point. Tout est là. Des inclusions, on en a vu 11 la semaine passée, ou 10, on s'est arrêté à 10, pardon. Donc, on a vu qu'un employé, parfois, se faisait enrichir parce que son employeur lui payait des dépenses personnelles. Donc, une dépense personnelle de l'employé que l'employeur vient défrayer à ta place, ça fait partie de ton revenu d'emploi, il t'a enrichi. Des allocations, c'est des montants d'argent qu'un employeur donne à l'employé pour dédommager certaines dépenses que l'employé a encourues. Le problème, c'est qu'avec l'allocation, il n'y a aucune justification requise par l'employé. L'employé n'a pas besoin de soumettre de pièces, n'a pas besoin de prouver comment il a utilisé l'argent. Donc, par défaut, on impose des allocations qui sont versées à l'employé. Il y a des exceptions, bien sûr. Les automobiles, tu fournis une auto à ton employé. Il y a clairement un enrichissement. On a vu les deux types de calculs, droit d'usage, frais de fonctionnement. Tu fais un prêt d'argent à ton employé, tu lui charges pas un taux d'intérêt raisonnable, donc tu l'enrichis. Tu le couvres d'une assurance collective contre la maladie et les accidents, donc grâce à l'employeur, l'employé est couvert d'une belle assurance, il y a avantage imposable. Et on s'est laissé avec des particularités au niveau des chantiers particuliers, des termes et endroits éloignés, c'est des exceptions qui disent que quand tu envoies un employé très loin, effectivement, tu pourrais lui payer certaines dépenses de logement, transport, pension, sans que ce soit un avantage imposable, et l'aide au logement qu'on a traité la semaine passée. Donc, il nous reste une déduction à voir, la plus compliquée, la plus complète, l'enrichissement sous forme d'options d'achat d'actions, puis après, on s'attaque aux déductions. Des questions sur ce qu'on a vu la semaine passée? C'est bon? OK, alors ça nous amène à acte 3.11. Option d'achat d'action. Donc, j'ai dessiné ici une option d'achat d'action. Qu'est-ce que c'est une option d'achat d'action et comment ça enrichit un employé? Bien, vraiment, là, de façon très simpliste, c'est un bout de papier. Un employeur qui dit à son employé, merci, tu as fait une bonne année, je voudrais bonifier ta rémunération parce que je suis très satisfait de ton rendement. Je pourrais utiliser plein de façons pour bonifier ta rémunération. Je pourrais te donner une augmentation de salaire, je pourrais te donner un boni, je pourrais te fournir une auto, je pourrais te prêter de l'argent avec un taux d'intérêt faible. Tout ce qu'on a vu la semaine passée serait possible. Mais une des possibilités que je peux aussi décider de choisir, c'est de te donner des options d'achat d'actions, ou une option d'achat d'actions. Donc, c'est un bout de papier sur lequel est écrit trois choses. Il y a toujours trois informations importantes inscrites sur l'option d'achat d'actions. C'est, premièrement, qu'est-ce qu'on peut acheter avec ce bout de papier-là? Ben, avec ce bout de papier-là, tu peux acheter 100 actions ordinaires de la société ABC. Deuxième information, à quel prix tu peux les acheter? 10$. Troisième information, durant quelle période? Tu as 15 jours en décembre pour le faire. Toujours trois informations. Des fois, ce bout de papier-là est donné à l'employé. D'autres fois, on va le vendre à l'employé. Mais la plupart du temps, c'est donné. L'employé n'a pas à payer. Il le reçoit gratuitement. Donc, ma VP Finance ici, à qui je donne ce bout de papier-là, c'est le même qui est au tableau. Est-ce que je l'ai enrichi? Es-tu contente?
Bon, j'ai regardé son air, là. T'étais-tu contente? Elle l'a pas utilisé. Fait qu'elle dit jusqu'à date, à ce stade-ci, c'est juste un bout de papier, hein, un vulgaire bout de papier. Est-ce qu'elle est contente d'avoir ça? Seriez-vous content d'avoir ça, vous? Ça dépend? Ça dépend de quoi? Si tu l'utilises ou pas, mais qu'est-ce qui va faire que tu l'utilises ou pas? Comment tu vas faire pour savoir si c'est avantageux pour toi? Ça dépend exactement. Tout dépend de ça vaut combien une action de l'employeur. On se fait donner un bout de papier où on a le privilège d'acheter les actions à 10 $. Privilège, on va aller vérifier ça vaut combien ces actions-là sur le marché. Si tu ouvres le journal et tu te rends compte qu'à la bourse ou que sur les marchés, l'action vaut 8 piastres. N'importe qui peut acheter des actions à 8 piastres. Puis ton employeur te dit, hey, voici un beau cadeau, le privilège d'acheter des actions à 10 $. Aucun privilège là. Mais à l'inverse, si l'action se transige 15, 16, 17, 18 $, 20 $, là, j'ai un beau privilège de me l'acheter moins cher. Donc, l'enrichissement va découler effectivement de la juste valeur marchande de l'action. Donc, si on présume que la juste valeur marchande admettons que la juste valeur marchande d'une action, c'est 25 $ pour fin de discussion, fois 100 parce qu'on peut en acheter 100, ça veut dire que je pourrais me procurer des actions qui valent 2 500. Moi, je les paierais combien grâce au bout de papier? Je les paierais 10 piastres chacune, je paierais 1 000. Donc, quelque chose qui vaut 2 500, ça m'en coûterait seulement 1 000. Donc, je me suis fait enrichir 2 500. On va voir ça les calculs, là je suis juste dans l'introduction, mais pour vous montrer que c'est logique. On va comparer ce que ça vaut, l'action que tu achètes, avec le prix que tu as le privilège d'avoir. Et c'est comme ça qu'on va faire, on va faire ressortir l'enrichissement et l'inclusion au revenu d'emploi. OK, ici on a une ligne de temps avec 3 dates importantes, d'accord? Ben, à vrai dire, 2 dates importantes. Il y en a une qui n'est pas importante. Première date, c'est la date de l'octroi, la journée où tu reçois le bout de papier. Ça, c'est pas important parce qu'il ne se passe rien au niveau fiscal. D'ailleurs, madame, elle l'a bien dit intuitivement. Elle dit, j'ai dit, êtes-vous contente du bout de papier? Ben, ça dépend ce que je vais faire avec. Effectivement, tant que tu fais rien avec l'option, ça reste qu'un vulgaire bout de papier. Ça devient, il y a enrichissement quand on fait quelque chose avec le bout de papier. Donc, le deuxième moment dans le temps, c'est la date où on va exercer les options. Exercer les options, ça veut dire qu'on profite du privilège qui est écrit dessus. Bon, suivez-moi bien. Maintenant que madame exerce l'option, d'accord? Donc, elle dit, hey, là, ça, je suis prêt, ça me tente de m'acheter des actions à 10 $. Puis elle le fait. La seconde qui suit, est-ce qu'elle est encore propriétaire des options une fois qu'elle les a exercées? Non. Non, le bout de papier, il disparaît. Et madame est maintenant propriétaire de quoi? Des actions. Ça, c'est des actions de la compagnie. Donc, maintenant, elle a des actions en main. Un jour, elle va les revendre, ces actions-là, comme n'importe quel actionnaire, un jour, vend des actions qu'il détient. Et là, à ce moment-là, il y aura des implications fiscales aussi. Donc, le troisième moment qui nous intéresse, c'est la journée qu'on va revendre nos actions. Donc, retenez ça, là, on va faire référence à ces trois moments-là dans les pages qui vont suivre. Oui. Oui. C'est ça. On va voir dans notre tableau que la règle générale oblige l'employé à s'imposer sur son enrichissement, sans le fameux 100% ou le fameux 1 500 $ de tout à l'heure. Donc, l'employé est obligé de s'imposer sur 1 500 $. Et là, il y a des allègements possibles. Il y a 2 allègements possibles pour les employés. Premier allègement, repousser le moment de l'inclusion à plus tard. Donc, le 1 500 $, il y a la possibilité, dans certains cas, de ne pas s'imposer tout de suite sur le 1 500 $, mais mettre cette inclusion-là dans un autre rapport d'impôt plus tard. C'est le fun de repousser ces inclusions. Payer son impôt plus tard, c'est le fun. Donc, il y a un premier allègement qui est possible, on verra les conditions. Et il y a un deuxième allègement qui est possible aussi, c'est d'avoir droit à une déduction. Une déduction qui est équivalente à 50% de mon inclusion au revenu d'emploi. Donc, sous certaines conditions, certains employés pourraient avoir droit à une déduction de moins 750.
Donc, plus 1 500, moins 1 750, c'est moins, pour ces gens-là, l'imposition est réduite par l'effet de la déduction. C'est tout ça qu'on va mettre ensemble. Donc, voici si vous voulez, une présentation de ce que je viens de dire. La règle générale vous demande de vous imposer sur 100% de votre enrichissement. Premier allègement, certaines personnes peuvent repousser le moment où ils vont faire leur imposition. Et le deuxième allègement, certains employés peuvent avoir droit à une déduction de 50% du montant de l'inclusion. Ça va se passer dans le revenu imposable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué que j'ai changé de couleur. Je suis passé de bleu à vert. Parce que tout ce qui est bleu se passe dans le calcul du revenu. Tout ce qui est vert se passe dans le calcul du revenu imposable. Et la dernière étape, c'est la dernière étape à considérer, c'est le jour où la personne, l'employé, va revendre ses actions, comme n'importe quel actionnaire, je répète, n'importe quel investisseur, un jour, vend ses actions, il y aura un calcul de gain capital. Donc, il y aura un calcul de gain capital lorsqu'il y aura disposition des actions. Ça aussi, ça affecte le revenu. Donc, voyez les bulles. 1, 2, 3, 4. On les fait dans cet ordre-là. On traite les éléments dans cet ordre-là. C'est ça qui est le plus facile. Le même tableau peut être exprimé avec 4 questions. C'est la même chose. Réponds à ces 4 questions-là, puis tu es sûr de faire le tour de la question. Premièrement, au moment de l'exercice, de combien l'employé s'est enrichi? Il faut que tu quantifies l'enrichissement. Deuxièmement, il faut que tu décides à quel moment tu inclus l'enrichissement. On va le voir. Troisième question, est-ce que tu as le droit à une déduction dans le calcul du revenu imposable? Est-ce que tu as le droit à une déduction égale à 50%? Et la quatrième question, c'est calcule comme il faut ton gain ou ta perte en capital. Donc, on les prend un par un. On va commencer par celui-ci. Comment on fait pour quantifier l'enrichissement? Suivez la bulle 1. Donc, on reprend ma petite histoire. Madame, je lui ai donné des options. Merci pour la... Merci, je suis satisfait. Je te donne une option. Il peut arriver trois choses pour madame. Première chose, elle décide de l'exercer, comme on a dit tout à l'heure. Donc, elle dit, oui, ça m'intéresse de m'acheter des actions à 10 $, je trouve ça intéressant, et elle le fait. Donc, elle exerce l'option, puis elle devient propriétaire d'actions. Comment on va quantifier l'enrichissement? Bien, regardez la petite formule à droite du tableau. Quelle est la valeur marchande des actions la journée qu'elle a exercée? On a dit tantôt 25 $ l'action, hein, je reprends les mêmes chiffres. Donc, on a 25 $ l'action fois 100, elle s'est achetée quelque chose qui vaut 2 500. Moins, je vais aller au troisième ici, je ne les fais pas dans l'ordre, c'est plus simple. Combien elle a payé, elle, pour acheter les actions? On sait que ça vaut 2 500, mais elle les a payées combien, les actions? 10 piastres l'action, c'est ça, hein, fois 100? 1 000. Donc, elle les a payées 1 000. Troisième question, l'option. Combien elle a payé pour le bout de papier? Le bout de papier là que je lui ai donné comme employeur, que je lui ai remis en main propre comme employeur, est-ce qu'elle a payé quelque chose pour le bout de papier ou elle l'a gratuitement? Dans ce cas-ci, c'était gratuit. Souvent, c'est gratuit. Donc, 2 500 moins 0 moins 1 000, ça fait 1 500. Un enrichissement de 1 500. Deuxième possibilité. Est-ce que ça se peut qu'elle n'exerce pas les options? On revient un petit peu en arrière. Je donne les options. Est-ce que ça se peut qu'elle ne les exerce pas? Absolument. Ça se peut-tu que ça ne tente pas de devenir actionnaire dans une compagnie? Même à 10 piastres l'action, là, ça se peut-tu que ça ne tente pas? Moi, je travaille au McDo, je déteste les Big Mac. Quand même que mon employeur me dit hey, « je te donne un Big Mac à 1,25 au lieu de 4,99 $ », je déteste ça, je ne m'en mettrai pas ça dans la bouche. Ben, c'est la même affaire, même à rabais, ça se peut que ça ne l'intéresse pas d'être actionnaire. Peut-être qu'elle n'a pas l'électricité non plus. 10 piastres l'action, c'est un rabais, mais il faut toujours bien que tu sortes 1 000 piastres de ta poche aussi. Peut-être qu'elle n'a pas de liquidité, même à 10 piastres. Fait que peu importe la raison, ça se peut qu'elle décide, elle ne veut pas les exercer. Ben, ce qu'elle risque de faire, c'est de le vendre, l'option.
ça se vend très bien. Si toi, tu n'es pas intéressé, peut-être que ton collègue de travail, lui ou ton ami, serait intéressé à avoir les options. Fait que tu peux le vendre, le bout de papier. Donc, on pourrait vendre les options. C'est le scénario numéro 2. La formule, c'est tu l'as vendu combien, ton bout de papier ici, là? Combien tu as vendu ça? Comment on pourrait vendre ça, un bout de papier qui donne le droit d'acheter des actions à 1000 quand on sait qu'ils valent 2500? Le bout de papier, d'après moi, il doit valoir à peu près 1500. Mais ça n'a pas d'importance. On peut mettre n'importe quel chiffre. Donc, vous avez négocié. Puis lui, il est gratteux, puis il dit, ah, moi, je te donne 1300, pas plus. Bon, OK, je te laisse à 1400. Parfait. Tu as vendu tes options 1400. Tu les avais payées combien, les options, le bout de papier? Zéro. Donc, tu vas mettre 1400 dans ton revenu d'emploi. Et la troisième possibilité, tu meurs avec l'option. Tu ne l'exerces pas, tu n'as pas le temps de la vendre, tu es tout content, puis tu décèdes. Donc, c'est rare, là. On ferait comme si tu avais vendu l'option. On irait chercher combien vaut l'option. Là, si tu la vendais à un inconnu, si ça vaut 1400, ben c'est aussi sur 1400 qu'on t'imposerait dans un contexte de décès. Oui, monsieur. C'est pas facile. Trouver la juste valeur marchande des actions, tu as tout à fait raison. Dans la vraie vie, c'est très difficile quand on est devant une société privée qui n'est pas cotée en bourse. Tu travailles pour Porte et Fenêtre, ici, Trois-Rivières, là, puis ton employeur te donne des options d'achat d'actions. Fou, combien ça vaut les actions de cette compagnie-là? Je dis ça de même au hasard parce que je sais qu'ils ne sont pas en bourse, là. C'est pas facile à déterminer. À l'examen, ça va être donné ce chiffre-là. Bien sûr. Ça répond à ta question? Donc, ça règle la question numéro 1. Comment on quantifie l'enrichissement? Je vous rappelle que ça a donné 1500. Question numéro 2 maintenant. Quand est-ce qu'on l'impose, le 1500? Dans quelle année? Quand on parle de moment, là, rappelez-vous la ligne de temps. Il y a deux choix possibles. C'est pas à l'octroi, parce qu'à l'octroi, on s'en fout, il ne se passe jamais rien à l'octroi. C'est soit au moment de l'exercice ou soit au moment de la revente des actions qu'on va faire l'inclusion de 1500. Donc, revenez dans votre tableau ici. Quand quelqu'un exerce l'option, il y a deux possibilités. Soit il peut repousser l'inclusion dans l'année où il va revendre les actions, ou soit il s'impose maintenant. Et ça dépend. Est-ce que ton employeur se qualifie de société privée sous contrôle canadien ou pas? Alors, vous pouvez aller voir la petite note de votre page, là. Un employeur qui est SPCC, ça veut dire société privée contrôlée par des Canadiens. Séparer ça en deux. SP, société privée, ça veut dire que la compagnie n'a pas d'actions en bourse. Une compagnie, c'est soit privée, soit publique. Si une compagnie a des actions en bourse, elle est publique, sinon elle est privée. Fait que ça règle privé. Puis contrôlée par des Canadiens, ça veut dire que plus de 50% des actions votantes appartiennent à des Canadiens. Mais des SPCC comme ça, c'est 95% des employeurs au Québec. Il y a très peu d'employeurs qui sont pas des SPCC. Il y a très peu d'employeurs qui sont des sociétés publiques. Je sais pas pour qui vous travaillez à Trois-Rivières, là, mais je suis sûr que c'est une SPCC. Ah, moi, je travaille pour Morgan Café. T'inquiète, il n'est pas en bourse, puis il n'est pas contrôlé par des Mexicains. Je travaille pour Porte et Fenêtre. Nommez-moi les toutes. Vous travaillez toutes pour des SPCC, je suis certain. Les quelques exceptions, là, peut-être au Québec. Est-ce que vous connaissez des employeurs qui ne seraient pas SPCC dans le Grand Québec? Des compagnies publiques, Bell. Métro, c'est public. Couche-Tard, on m'a dit que c'était public dorénavant. Qu'est-ce qu'il y a de public comme employeur au Québec? Il n'y en a pas une tonne, hein? Costco, c'est public. Après ça. Hein? OK, je pensais Albi, le géant. ABI, l'aluminerie? Ah, c'est-tu public? Il faudrait voir. En tout cas, l'enjeu est là, mais la majorité des employeurs sont SPCC. Et donc, quand ton employeur est SPCC, ça te permet de profiter du premier allègement. C'est-à-dire que ton 1500, c'est pas maintenant que tu le mets dans ton rapport d'impôt. On va attendre. Quand tu vas revendre tes actions plus tard, je ne sais trop quand, c'est à ce moment-là qu'on fera l'inclusion du 1500 $ dans ton revenu d'emploi. Alors que si tu es un employé si ton employeur n'est pas SPCC, tu n'as pas cet avantage-là, tu t'imposes maintenant. Ça, c'est l'item numéro 2. C'est la question numéro 2. Donc, check. Troisième question.
Est-ce que tu as le droit à une déduction dans le calcul de ton revenu imposable? Le pourquoi du vert? Une déduction qui va être qui serait égale à 50% de ton inclusion dans ton revenu d'emploi. Ça, on s'entend que ça aurait un effet très intéressant dans le rapport d'impôt de couper de moitié l'impôt à payer. Allons voir la déduction. Suivez la flèche numéro 3 ou la bulle numéro 3. Vous l'avez à la page 153 et suivante. Il y a deux déductions. Il y en a une ici, puis il y en a une ici. Les deux, là, c'est le même montant. C'est 50 %. C'est égal à 50 % de ton fameux, ton inclusion, là. Je pourrais prendre le chiffre de tout à l'heure. On avait une inclusion de 1 500 $. C'est un ou. Tu prends une des deux. C'est comme, t'as comme deux chances de gagner. Tu sais, tu vas pour t'acheter un billet de loterie, puis il dit, oh, il y a un spécial cette semaine, je t'en donne un deuxième. Ben, tant mieux. T'as deux chances de gagner. Fait que si c'est la même chose, que tu t'en prends une ou l'autre, c'est la même valeur de la déduction. C'est le même chiffre. Mais t'as deux fois, tu as plus de chances d'avoir droit à la déduction, puisque t'as deux chances, si on veut, pour y avoir droit. La première déduction, elle est disponible pour tous les employés. Que ton employeur soit SPCC ou pas, tu y as droit. Alors qu'ici, la deuxième est seulement pour des employés de SPCC. Donc, la première condition, les deux conditions, il faut que l'option porte sur des actions ordinaires, mais le plus important, c'est pas ça, c'est la deux. Il faut que le prix d'exercice de l'option plus le prix payé pour l'option soit plus grand ou égal à la valeur marchande de l'action à l'octroi. C'est ça le plus important. Ça, en mots clairs, ça veut dire que quand tu as reçu l'option, il n'y avait pas de prix de faveur. C'est ça qu'on vérifie. Pas de prix de faveur à l'octroi. On reprend nos chiffres de tout à l'heure. Vérifions la condition numéro 2. Mon employé, tu vas m'aider. C'était quoi le prix d'exercice de ton option? Tu pouvais les acheter à combien sur le bout de papier? 10. Le prix payé pour l'option, il t'a coûté combien ce bout de papier-là? Zéro. Doit être plus grand ou égal à la valeur marchande de l'action au moment de l'octroi. La journée que je t'ai donné le bout de papier, ça valait combien? 25. Donc, si je refais la formule, 10 plus 0, est-ce que c'est plus grand ou égal à 25? La réponse, c'est non. Hein? Tu n'as pas accès à cette déduction-là. Tu n'as pas accès à cette déduction-là parce que la raison pour laquelle tu t'es enrichi, c'est ton employeur qui t'a fait un prix de faveur. Tu n'as aucun mérite à t'être enrichi. D'accord? Ton enrichissement, il était instantané. La seconde que tu as reçu l'option, automatiquement, tu avais un enrichissement facile à faire. Pour reprendre l'expression du singe, un singe aurait été capable de s'enrichir de 1 500. C'était facile, tu as reçu l'option avec un prix de faveur immédiat. Mais permettez-moi de changer une donnée. Admettons que la journée que tu reçois le bout de papier, il est où mon bout de papier? Donnez-le à madame. La journée qu'elle le reçoit, l'action se transige à 8 $. 10 plus 0, est-ce que c'est plus grand que 8? Oui. Là, tu as le droit à une déduction et tu vas pouvoir aller déduire dans ton revenu imposable un moins 750 $. L'effet, c'est que tu vas t'imposer sur la moitié de ton enrichissement. Un plus 1 500 et un moins 750. Pourquoi? C'est quoi la logique? Ici, si tu t'es enrichi, est-ce que tu le dois à ton employeur? Non. Parce que ce que ton employeur t'a donné, ça vaut rien. La journée que tu as reçu l'option, elle valait rien, cette option-là. Un bout de papier qui permet d'acheter des actions à 10, quand ça vaut 8 piastres, ça vaut rien. Donc, si tu as réussi à t'enrichir quand même avec ça, tu le dois uniquement à ta bonne gestion de portefeuille. Elle a été patiente, elle a attendu que l'action monte, puis elle a agi comme une bonne investisseur, puis elle a réussi à faire de l'argent avec un bout de papier qui valait rien au départ. Donc, elle mérite le même traitement fiscal qu'on réserve aux investisseurs dans notre régime fiscal. Comment on traite les investisseurs dans notre régime fiscal canadien? Comment on impose les investisseurs?
sur leur gain capital à 50%. Donc, dans notre régime fiscal, un investisseur, c'est traité comme quelqu'un qui doit s'imposer sur 50% de son enrichissement. Ben, elle, on va la traiter pareil. Elle mérite d'être imposée sur seulement 50% de son enrichissement parce qu'elle a été une bonne gestionnaire, puis son enrichissement, c'est pas un cadeau de l'employeur, c'est dû à sa bonne gestion. Donc, techniquement, ça sera pas du gain en capital, mais c'est tout comme. Ça va être une inclusion de 1 500 combinée à une déduction de 750. Je ferme la parenthèse. L'autre jeu de conditions qui est possible, parce que c'est un ou l'autre, les conditions sont un peu différentes. Cette fois-ci, c'est pour les employés de SPCC seulement. Donc, vous voyez que quand l'employeur a le statut d'SPCC, ça nous donne beaucoup d'avantages à nous, les employés. Tantôt, ça m'a permis de repousser le moment de mon imposition. Super. Puis ici, ça me donne un jeu de déduction supplémentaire que les autres n'ont pas accès. La condition la plus importante, c'est la 2. Il faut que l'employé ne dispose pas des actions pendant au moins 2 ans. Donc, un, l'employé exerce l'option et ensuite garde ses actions pendant 2 ans. Donc, madame, je lui ai donné des options. Prix de faveur ou pas, on s'en fout ici dans le deuxième jeu de conditions. C'est pas important. Elle exerce ses options puis elle achète des actions. Ben, il faut qu'elle garde ses actions pendant au moins 2 ans. Si elle garde les actions 2 ans, bingo, elle a une déduction de 750 $. Moins 750 $. Pourquoi? J'ouvre la parenthèse encore une fois. J'essaie de vous expliquer les motivations du gouvernement à mettre ces règles-là. Si vous ne les comprenez pas ou vous trouvez ça plus mêlant qu'autrement, c'est pas important de... Faut juste bien appliquer les déductions. Mais je vous explique quand même le raisonnement, c'est agréable de savoir. Donc, la première déduction, je vous l'ai expliqué, le raisonnement, c'est de traiter comme un investisseur un employé qui s'est enrichi avec une option puis qui ne doit pas un prix de faveur offert par son employeur. Dans la deuxième déduction, l'objectif est complètement différent. C'est de reconnaître le fait que les sociétés privées ont beaucoup de difficultés à obtenir du financement. Justement, une compagnie privée, c'est pas en bourse. Donc, quand une compagnie privée a besoin de financement pour développer un nouveau projet, pour s'agrandir, pour croître croître dans l'entreprise, c'est difficile souvent d'aller chercher du financement. On n'a pas accès à la bourse, on n'a pas accès aux investisseurs qui sont sur les marchés publics. Donc, dans les us et coutumes, souvent, les compagnies privées vont se retourner vers leurs employés. Puis vont dire, ça te tenterait-tu d'investir dans la compagnie? Ça te tenterait-tu de devenir actionnaire de la compagnie? Donc, donne-moi 1 000 $, là, avec, je te donne une option, là. Puis donne-moi 1 000, puis je vais te donner des actions. Donc, la compagnie vient d'encaisser 1 000 $. C'est du financement, c'est du nouveau financement, ça, pour les petites compagnies, les petites sociétés privées contrôlées par des Canadiens. C'est un financement qui vient des employés eux-mêmes. Ça, c'est monnaie courante, puis le législateur veut faciliter ça. Donc, la façon de faciliter ça, c'est de dire aux employés, si tu laisses ton argent 2 ans dans la compagnie, je t'impose sur la moitié seulement. Il y aura un plus 1 500 puis une déduction de 750 $. Faut pas que l'employé achète des actions, puis la semaine d'après, se dit, ah, je veux me faire racheter mes actions. Non, non, ça aide pas la petite compagnie. Laisse tes billes 2 ans. L'employé laisse son argent 2 ans dans la compagnie, et c'est assez, c'est suffisant. On accepte de donner un traitement préférentiel à l'employé. C'est ça la logique de la deuxième déduction. Bon, je ferme la parenthèse. Encore une fois, prenez bonne note de ça dans votre feuille d'annotation, les fameuses déductions. Vous allez être en mesure d'appliquer les critères. Donc, je reviens à mon tableau ici. Troisième bulle, c'est fait. Check. On connaît maintenant qui a droit à une déduction, qui n'a pas droit. Une déduction de moins 750. Dernière chose, le calcul du gain capital. Madame, on continue la petite histoire, là. Madame, elle a des actions. Elle les a gardées 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, là, on n'est plus dans le thème 3, on est rendu dans le thème 4. Mais comme n'importe quel investisseur, un jour, elle va vouloir vendre ses actions. Elle a le droit. Et ça va générer un calcul de gain capital. C'est assez standard, un calcul de gain capital. Vous l'avez vu depuis quelques semaines. Produit de disposition, moins PBR, fois 50%. Il y a juste une petite nuance qui s'ajoute à ça. Donc, on s'en va à la bulle numéro 4.
Donc, madame va finir par, va finalement vendre ses actions. D'accord? Donc, on va commencer notre calcul de gain capital. Deux chiffres. Produit de disposition. Combien, on peut inventer n'importe quoi, là, mais ça valait 2500, puis t'as attendu, t'as attendu, t'as attendu. Maintenant, ça en vaut 3200, disons, puis tu les vends. Donc, admettons qu'elle vend ses actions 3200. PBR, prix de base réajusté, ici. Combien les avais-tu payées, tes actions? 1000. Tu les avais payées 1000. Et l'ajustement, c'est celui qui est en jaune. Il faut rajouter au PBR des actions un montant équivalent à ce qu'on a rajouté dans le revenu d'emploi. Donc, tantôt, madame, je l'ai imposé sur 1 500 $ dans son revenu d'emploi. Conséquemment, il y a un 1 500 $ qui vient s'ajouter au PBR. Et le PBR des actions est maintenant de 2 500. Ce qui va faire un gain capital de 3 200 moins 2 500, ça va faire un gain capital de 700 $. Donc, un gain en capital imposable de la moitié, 350. Ça, c'est ce qui va arriver quand elle va revendre ses actions. L'ajustement, c'est la partie qui est en jaune. Je répète, tout montant que vous avez inclus dans le revenu d'emploi doit être ajouté au PBR des actions la journée où on les vend. Et pour vous expliquer ça bien simplement, si on ne le faisait pas, cet ajustement-là, on double imposerait le même 1 500 $ deux fois. Le même 1 500 $ serait à la fois imposé comme du revenu d'emploi et à la fois inclus dans le gain capital lors de la vente des actions. On ne veut pas ça. On ne veut jamais de double imposition. Donc, pour pour éviter la double imposition, on s'assure d'enlever un 1 500 $ dans le calcul du gain capital parce qu'on sait qu'on l'a imposé, lui, tantôt, dans le revenu d'emploi. Check. Des questions? C'est compliqué. C'est de loin l'inclusion la plus compliquée dans le revenu d'emploi. Il va en avoir à l'examen, c'est sûr. OK? Il faut vous pratiquer. À force d'en faire, ça devient plus simple. Il y a quatre étapes à franchir à chaque fois. Regardez dans le volume, là, je vous ai fait six exemples. Je ne les ferai pas avec vous, je sais que vous allez les faire si ce n'est pas déjà fait. Exemple 1. J'ai mes quatre étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Exemple 2. J'ai mes quatre étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Exemple 3. Ainsi de suite, j'ai six exemples. Plus tous ceux que tu vas retrouver dans la BQI en fiscalité. Donc, si tu te prépares bien à l'examen, tu devras avoir fait à peu près 9 fois. Tu devrais avoir traité 9 fois des problèmes touchant les options d'achat d'actions en répétant tout le temps la même recette à 4 ingrédients. Donc, à l'examen, ça devrait être la 10e fois que je te pose cette question-là. Ça devrait y aller, là. Mais si tu t'en occupes pas, surfe là-dessus, pas sûr de trop comprendre, bien, à l'examen, ça va faire mal. Vous avez tout ce qu'il faut, là, pour répéter, répéter, répéter. J'en ai mis des exemples. C'est tout le temps la même recette. C'est bon? Voilà pour les inclusions. Dernier élément, les déductions. Donc, qu'est-ce qu'un employé peut déduire dans son calcul de revenu d'emploi? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on retrouve beaucoup de déductions ou pas beaucoup? J'ai vendu un petit peu la mèche la semaine passée. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Vous vous rappelez la semaine passée quand j'ai fait le. On a commencé le sujet 4 en disant. Est-ce que tout le monde fait bien la différence entre un employé et un entrepreneur? Parce que c'est le fun en maudit d'être un entrepreneur, parce qu'on a beaucoup plus de déductions qu'un employé. Donc, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas grand-chose de déductible pour quelqu'un qui est employé et qui peut réduire son revenu d'emploi avec des dépenses. Il n'y a pas grand-chose. Oui, madame? OK, merci. J'ai posé la question puis je me suis moi-même répondu. D'ailleurs, quelqu'un pourrait m'en nommer des déductions qui... Vous avez lu le sujet, j'imagine, vous le savez. Quelqu'un peut me nommer une déduction que vous pensez qu'un employé a droit dans son calcul de revenu d'emploi? Moi, je gage qu'il y en a tellement peu que vous allez avoir de la misère à m'en nommer. Des dons? Non. Ça donne droit à un crédit d'impôt dans ta section rose.
mais pas de déduction dans le revenu d'emploi. Ta cotisation professionnelle à ton ordre, là, par exemple? Oui, une cotisation professionnelle. Si tu payes une, donc, si tu es un ingénieur puis tu payes, ou un CPA, puis tu payes 1 000 $ par année pour maintenir ta cotisation professionnelle de CPA, c'est déductible du revenu d'emploi. Oui. Si tu cotises au fonds de pension de ton employeur, c'est déductible de ton revenu d'emploi. On en a deux, madame. Moins certains frais de déplacement que tu payes de ta poche, sous certaines conditions, ça va être déductible. On est rendu à 3. Ah, c'est un bureau à domicile, sous certaines conditions, tu pourras avoir une déduction. On est rendu à 4. Si tu es en cours des frais de gestion, on est rendu à 5. D'après moi, on a fait le tour. Pas mal ça. Puis dans tout ce que j'ai entendu, là, honnêtement, il y en a 3 que j'ai jamais vu de ma vie. Ils existent, mais on les voit presque jamais. Fait que tu sais, il n'y a pas grand-chose. C'est ça que je veux que vous reteniez. Il n'y a pas grand-chose. Savez-vous ce qui va arriver à l'examen? Savez-vous comment je vais vous pogner? Écoutez-moi, à l'examen intra, voici comment je vais vous pogner. Je vais vous donner un problème avec tout plein de dépenses encourues par un employé. Plein! Puis je vais vous demander maintenant de me dire lesquelles sont déductibles. Le défi, là, ça va être qu'il n'y en a pas beaucoup. Le défi, ça va être de la majorité des dépenses qui sont données dans l'énoncé, des laisser là, puis de ne pas les considérer comme déductibles. Mais ça, les étudiants ont de la difficulté à faire ça. Quand ils voient un chiffre, ils disent, il faut que je m'en serve, il faut que je m'en serve, il faut que je m'en serve. Il faut que j'affecte mon revenu d'emploi, il faut que j'affecte mon revenu d'emploi. Ils voulaient tout prendre. Un employé qui achète un ordinateur, c'est pas déductible. Un employé qui achète un téléphone, c'est pas déductible. On peut s'en compter des tonnes et des tonnes, c'est jamais déductible. Il y en a plein. La majorité des dépenses ne le sont pas déductibles. Fait qu'il est là le piège, c'est d'en prendre trop. Autre petite information intéressante pour vous, là, pour votre culture personnelle ici. En plus, un employé qui veut déduire des dépenses, il faut qu'il fasse remplir un formulaire fiscal par son employeur. C'est pas pour l'examen que je vous dis ça, là, vraiment, ça n'a pas rapport, c'est pour vous. Donc, tu peux même pas, à la fin de l'année, dire « Bon, je vais aller déduire mes dépenses. » Pour déduire des dépenses, il faut que l'employé demande à l'employeur de remplir un formulaire. L'employeur, sur le formulaire, il va dire « C'est vrai que je demande à l'employé de payer telle dépense. » Puis, il va signer. Puis, quand tu as ce formulaire-là, tu peux déduire tes dépenses. Si tu n'as pas le formulaire, tu n'auras même pas de dépenses. Le sujet 4 est fini. L'employeur, il va le signer, le formulaire. Ça, c'est pas, c'est, l'employeur, il perd rien en faisant ça, là. C'est la vérité. Si c'est la vérité que tu dois payer certaines dépenses de ta poche, il va l'attester sur le formulaire. Bon, on va aller les voir une par une. Vous me les avez dit. Donc, première déduction dans le revenu d'emploi, les frais judiciaires. Si tu dois poursuivre ton employeur, par exemple, donc tu quittes ton employeur est pas content, puis il te paye pas tes deux dernières semaines. C'est ton argent, tu y as droit. Fait que là, tu poursuis ton employeur, puis tu encours des frais judiciaires. Les frais judiciaires, c'est les frais d'inscription au tribunal. Les frais extrajudiciaires, c'est la note d'avocat, par exemple. Ça peut monter. Donc, admettons que toute cette histoire-là te coûte 1 000 $. En frais judiciaires et frais extrajudiciaires, tu peux le déduire. Tu peux déduire 1 000 $ de ton revenu d'emploi. Deuxième déduction, toutes les cotisations et les dépenses reliées à ton emploi. Donc, ta cotisation professionnelle obligatoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu es membre de l'ordre CPA, un ingénieur, un avocat, peu importe, qui paye sa cotisation de sa poche, il peut le déduire. C'est rare, hein? La plupart du temps, l'employeur paye la cotisation pour l'employé. Donc, pour bien des employés, ils ne payent pas ça de leur poche, c'est payé par l'employeur. Mais si tu le payes tout seul, tu le déduiras. Cotisation syndicale, si tu arrives dans un endroit où il y a un syndicat, il faut que tu cotises au syndicat, c'est déductible. Les 3 autres, je les ai jamais vus de ma vie. Vous me le direz, ça avait déjà vu ça. Un employeur t'embauche, puis te dit, moi, j'ai pas les moyens de te payer un adjoint. Si tu veux un adjoint, paye-toi-le. Si un jour ça vous arrive, ça sera déductible. Un employeur t'embauche, puis te dit, moi, j'ai pas moyen de te fournir du papier puis des crayons. Paye-toi-le. Si un jour ça arrive, vous le déduirez. Un employeur t'embauche puis dit « Moi, j'ai pas moyen de t'installer dans un bureau. Loue-toi un bureau. » Si un jour ça arrive, vous le déduirez. Oui? Oui, il y a des déductions pour des gens, des employés de métier qu'il faut qu'ils payent leurs propres outils, effectivement. Ça rentre un peu dans cette grande famille-là.
est déductible la cotisation de l'employé au RPA. Le RPA, c'est le fonds de pension qui est en place chez un employeur. Il n'y en a pas partout, là, mais si vous travaillez chez un employeur où il y a un RPA, un régime de pension agréé, ben, habituellement, dans un fonds de pension comme ça, il y a deux personnes qui mettent de l'argent. L'employeur met de l'argent et l'employé met de l'argent. Donc, on sait que l'employeur qui met de l'argent dans ton fonds de pension, il t'enrichit. Et ça, c'est pas un avantage imposable. On l'a vu la semaine passée. Maintenant, la portion employée, si toi, tu mets 1000 piastres dans ton fonds de pension, tu peux le déduire. Donc ici, là, la portion employée est déductible. Sont déductibles les frais de déplacement encourus par l'employé. Rappelez-vous ce que ça veut dire, des frais de déplacement? Voyez ici. Donc, c'est un employé qui, de sa poche, paye son hôtel, ses restaurants et ses moyens de transport pendant qu'il est dans des voyages pour les fins d'emploi. Donc, tu es à l'extérieur de la ville pour des fins d'emploi. En tout cas, je veux pas. Un employé doit sortir pour aller voyager pour les fins de son emploi. Puis l'employé doit payer de sa poche ces éléments-là. Donc, hôtel, repas dans les restaurants, puis tous les moyens de transport. Autre que prendre son propre véhicule. Ça, on en parlera après, là. Mais les moyens de transport comme l'autobus, le taxi, le bateau, l'avion, le métro, le train. Tout ça, c'est déductible sous certaines conditions. Voyez avec moi les conditions. Il y en a cinq. 5e condition. Donc, pour que les frais de déplacement soient déductibles, il faut que l'employé exerce son emploi ailleurs qu'au lieu de l'entreprise. Donc, l'employeur nous envoie à l'extérieur. C'est l'employé qui paye ses frais. L'employé n'a reçu aucune allocation non imposable. C'est bien sûr que si tu payes tes frais, puis qu'à la fin de la semaine, tu reviens voir ton employeur, tu dis « Non, 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 j'ai payé des dépenses, pourrais-tu me donner une allocation? » Puis que tu reçois une allocation, ben non, en bout de ligne, c'est plus toi qui payes tes dépenses. Tu as reçu une allocation non imposable, surtout. Donc, si tu reçois une allocation non imposable, ça fait en sorte que tu ne peux pas déduire tes dépenses. C'est logique, c'est pas toi qui les as payées. Par rapport aux allocations, regardez, il y a trois situations possibles. Deux fois sur trois, tu peux déduire. Ici, tu peux pas. Ici, tu peux pas. Donc, je commence par le bas, puis je m'en vais vers en haut, là. Première situation, tu payes ton hôtel, tes restaurants pendant que tu es à l'extérieur pour les fins de ton emploi. D'accord? Donc, ici, là, tu payes tous tes frais de déplacement. À la fin de la semaine, tu reviens voir ton employeur, puis tu dis, « Hey, patron, peux-tu me donner une allocation? » Il dit non. Donc, tu t'es clairement appauvri dans cette situation-là. Donc, c'est normal que tu puisses déduire tes dépenses. Deuxième situation, ici, tu payes tes dépenses, ton hôtel, tes frais de déplacement. Tu reviens et tu dis à ton patron, « Hey, je pourrais-tu recevoir une allocation? » Il te dit oui et il te donne une allocation. L'allocation, elle est imposable, disons. On en a parlé de ça la semaine passée. Quand c'est raisonnable, c'est pas imposable, mais si c'est pas raisonnable, c'est imposable. Donc, si je reçois une allocation imposable, ben en réalité, je peux déduire mes dépenses parce que l'allocation est imposable. Il faut que le traitement fiscal corresponde à la réalité économique. Donc, au niveau économique, je me suis pas enrichi, je me suis pas appauvri. Mais si on m'oblige à m'imposer sur l'allocation, j'ai le droit de prendre mes dépenses en déduction. Et la troisième possibilité, vous me voyez venir, tu encours tes dépenses, tu dis à ton employeur, je pourrais-tu recevoir une allocation? Il dit oui, puis l'allocation est non imposable cette fois-ci. Donc, on comprend que tu t'es pas enrichi et que tu t'es pas appauvri. Sauf que l'allocation que tu as reçue n'est pas imposable. Donc, tu perds le droit à tes déductions ici. Tu ne peux pas prendre de déduction parce que tu as reçu une allocation non imposable. Donc, tu ne l'as pas du tout payé. Tes dépenses, tu ne les as pas du tout payées, puis il n'y a même pas d'inclusion dans ton rapport d'impôt. Donc, tout ça pour dire que il ne faut pas que tu aies reçu d'allocation non imposable ici. Et finalement, deux conditions de plus seulement pour les repas. Vous voyez les petits cercles, là? Si je prends le cercle repas, on rajoute deux conditions de plus. Il faut que tu t'absentes pendant au moins 12 heures de la ville où se situe ton emploi et seulement 50% des frais de repas sont déductibles. Donc, si toutes les conditions sont respectées, ben tu gardes tes factures d'hôtel, trois nuits d'hôtel, ça t'a coûté 400$ pour trois nuits et tu pourras le déduire. Tu gardes toutes tes factures de restaurant.
3 jours, ça t'a coûté 160$ dans un restaurant, mais tu fais fois 50% et tu déduis 80. Tes moyens de transport, ben, tu gardes tes factures. Train, avion, garde tous tes billets, taxi, Uber, tu gardes toutes tes factures. Ça t'a coûté 100, pour moi, 220$, ben, tu pourras déduire 220$. Déductible. Qu'en est-il maintenant du frais de déplacement pour l'utilisation de l'automobile personnelle? Donc, voyez là, imaginez toute mon histoire est pareille. Je m'en vais pendant 3 jours pour les fins de mon emploi, puis je paye toutes mes dépenses. Mais là, au lieu de prendre le métro, l'avion, le Uber, tout ça, les trains, je dis non, non, je prends mon auto et j'y vais. Donc, je prends mon auto, je viraille pendant 3 jours là-bas, puis je reviens. Je me suis clairement appauvri. Est-ce que vous voyez que je me suis appauvri? J'ai usé mon auto personnelle. C'est mon auto, j'ai mis du kilométrage dessus, j'ai brûlé du carburant, j'ai accéléré mes changements d'huile. Tu sais, je veux dire, faites ça à grande échelle, votre auto perd de la valeur à une vitesse d'enfer. Et vous faites tout ça pour les fins de l'emploi. Donc, vous vous appauvrissez pour les besoins de l'emploi. Donc, c'est la même logique, c'est déductible. Il y a les quatre mêmes conditions qu'on va retrouver. Donc, les quatre mêmes conditions sont là. 1, 2, 3, 4. C'est avec la même réalité au niveau des allocations. C'est la même logique. Il ne faut pas avoir reçu d'allocation non imposable. La différence, c'est la suivante. Combien ça vaut? Pour l'hôtel, on le sait de combien tu t'es appauvri. On le voit sur la facture. Pour les restaurants, on le sait de combien tu t'es appauvri, on le voit sur la facture. Pour tous les moyens de transport public, on le voit sur la facture. De combien tu t'appauvris à prendre ton auto puis à virailler pendant 900 km pendant 3 jours? Et tu fais ça une fois par mois pendant 12 mois. À chaque mois, tu virailles 900 km pour les besoins de l'employeur. On est d'accord avec le concept, tu t'es appauvri. Mets-moi un chiffre là-dessus maintenant. Pas évident. Le législateur aurait pu retenir plein de façons. Il y aurait plein de façons qui seraient bonnes pour calculer ça. Lui, il en a retenu une. Est-ce qu'il y en a qui le savent, la méthode qui a été retenue pour mettre un chiffre sur la déduction pour l'usage de l'auto personnel? Oui, madame? Au kilométrage. Donc, le législateur a dit, si tu veux déduire tes dépenses automobiles, voici ce que tu dois faire. Tu dois faire la liste de toutes tes dépenses reliées à ton automobile. Donc, toutes tes dépenses automobiles tu vas faire la liste de tout ce que te coûte ton automobile pour l'année. Et à la fin, tu vas en déduire une fraction. La fraction qui est représentée par les kilomètres parcourus pour fin d'emploi divisé par les kilomètres parcourus total. Donc, admettons que tu fais la liste de toutes tes dépenses automobiles. On va regarder de qu'est-ce que ça comprend. Donc, tous les frais afférents à l'automobile. Donc, tes frais d'immatriculation, ton permis de conduire, tes assurances, l'essence, les changements d'huile, les réparations, et si tu es locataire, tu vas même mettre ton paiement d'auto. Si tu n'es pas locataire, ça veut dire que tu es propriétaire. Si tu es propriétaire, tu peux prendre une DPA, donc une déduction pour amortissement sur la valeur de ton auto. Donc, si tu as acheté l'auto X dollars, tu mets 30% en amortissement dans tes dépenses automobiles à chaque année. C'est 30% par année dégressif, c'est 15% la première année. On connaît pas beaucoup les règles d'amortissement, on va les voir en fiscalité 2, mais je vous les donne, là. Donc, une auto en fiscalité, c'est comme ça qu'on amortit ça. On prend 30%, la première année quand on achète l'auto, disons que j'achète une auto 20 000, je vais prendre 15% en amortissement. Le reste, l'année prochaine, je vais l'amortir à 30%. Le reste, je vais l'amortir l'année suivante à 30%. Donc, c'est 30% dégressif, sauf l'année de l'acquisition où c'est 15%. Et si je suis propriétaire d'une auto, j'ai aussi sûrement un emprunt. Et je fais des paiements et je peux déduire mes intérêts sur mon paiement. Donc, faites la liste de tout ça. Immatriculation, assurance, tatatata, location, DPA, intérêt, le coefficient. Et ça donne un grand total de, disons, 11 000. C'est épeurant. Ça te permet de voir comment tu en mets de l'argent dans ton auto.
Est-ce que c'est tout ça qui est déductible? Bien sûr que non. Parce que là-dedans, ton auto, tu t'en es servi beaucoup à des fins personnelles. Nous, on cherche la portion des dépenses qui sont pour les fins d'emploi. Donc, on va faire le ratio qui est encerclé. Donc, au dénominateur, combien tu as fait de kilomètres avec ton auto? Bon, moi, je fais 25 000 kilomètres par année, OK? Puis au numérateur, combien des 25 000 kilomètres ont été parcourus pour l'emploi? Je vous ai dit 900 par mois, madame, 900 par mois. Hein? Admettons que je fais 900 kilomètres par mois, puis je fais ça pendant 6 mois. Parce qu'il y a 6 mois où j'y vais pas. Je voyage pas, fait que j'arrondis, là. Aidez-moi pas, personne. Disons 5 000. Donc, c'est donc dire que je pourrais déduire 5 25e de toutes mes dépenses. Parce que 5 25e de mon kilométrage a été parcouru pour les besoins de l'emploi. Il y a 3 chiffres à l'écran qui sont en jaune en ce moment. Ils ont quelque chose de particulier, ces 3 chiffres-là. Ceux qui sont en jaune. C'est qu'ils ont des limites. Quand on dit à quelqu'un qui peut cumuler toutes ses dépenses automobiles reliées à son auto, vous le savez comme moi, c'est pas tout le monde qui a le même comportement avec des autos. Il y en a qui aiment les autos très chères, très luxueuses, puis il y en a qui sont plus raisonnables. Mais ceux qui ont des autos très, très luxueuses, imaginez que le total des dépenses, c'est pas mal plus qu'11 000. Quand tu roules dans une auto de 150 000, là, imaginez la DPA là-dessus, imaginez l'intérêt que tu payes sur l'emprunt ou la location si tu es locataire. Donc, pour éviter, en fiscalité, on veut pas que quelqu'un qui a décidé d'avoir une belle voiture qui coûte très cher, tu as le droit de faire ça, mais on veut pas que tu augmentes ta déduction de façon indue. Donc, on a mis des limites. À la location, la limite, c'est 800 par mois plus taxes. Donc, si pour vrai, ta location est de 1200 à 1300 par mois, Au fin de la fiscalité, tu fais semblant que tu payes 800 $ par mois. Et tu peux seulement mettre 800 $ par mois dans ta liste qui est ici. 800 $ plus taxes. Même si tu payes plus que ça. À l'achat, la limite, c'est 30 000. Quand même bien que tu t'achèteras une auto de 48 000, c'est pas vrai que tu vas prendre de l'amortissement sur 48 000. Tu vas faire semblant qu'elle a coûté 30 000. Et tu vas amortir seulement 30 000. Et si tu as un très gros emprunt puis tu payes des très gros intérêts, maximum déductible 300 par mois au niveau des intérêts. Donc, vous avez un exemple ici où on a l'auto pendant 11 mois. Je mets en jaune déjà les problèmes. Donc, une auto qui coûte 32 000 plus taxes, c'est sûr que ça passera pas tout en impôts, ça. On va le voir dans la solution. Autre problème que je vois, les intérêts. 4 000 d'intérêt pour 11 mois. Quelqu'un peut me dire, c'est combien ça par 4 000 divisé par 11 mois? Ça fait combien par mois? Ça dépasse-tu 300? 300 quelque chose? 363. C'est trop. Ça passera pas au complet. Donc, si on va voir la solution, effectivement. Donc, j'ai pris toutes mes dépenses reliées à mon auto. Mon 4 000 d'intérêt, je peux pas le prendre. Je peux juste prendre 300 fois 11. Ça fait 3 300. Mon auto qui me coûte 32 000, je peux pas. C'est trop. Je fais semblant qu'elle me coûte 30 000. Donc, 30 000 plus la TPS plus la TVQ, on fait semblant qu'elle m'a coûté 34 493. Et je prends un amortissement de 15 30 % divisé par 2 sur 34 000. Ce qui va donner 5 000 d'amortissement. Donc, au total, j'ai presque 16 000 de dépenses que je vais prorater par mon kilométrage, dans ce cas-ci, qui était 20 sur 30 pour les fins de l'emploi. Donc, ça va me donner 10 000 piastres de déduction. 10 649. Des questions? Oui, madame? Oui, on a acheté l'auto cette année. Donc, d'autres questions? Voilà pour les autos. Le bureau à domicile, effectivement, c'est plutôt rare
qu'on voit un employé avoir un bureau à domicile, on le voit plus avec les entrepreneurs. Donc, quelqu'un qui est en entreprise, c'est fréquent que ces gens-là décident d'installer leur entreprise puis leur bureau à domicile. Pour des employés, on le voit moins, mais ça existe. Donc, ce serait une situation où un employé a un emploi, puis l'employeur lui dit « Moi, je peux pas te loger dans ma place d'affaires. Fait que je te propose de prendre une partie de ton sous-sol puis t'installer un bureau chez toi puis de travailler de ce bureau-là. » Donc, si un employeur demande à l'employé d'avoir un bureau à domicile, ça va donner droit à une déduction. Le calcul de la déduction, vous allez le voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire pour l'automobile. On va faire la liste des dépenses de la maison. Il n'y a pas beaucoup de dépenses qui sont admissibles, je vous, par exemple, vous allez voir. Ça donne un total de, admettons, 3 000 piastres. Et on va le multiplier par un ratio qui n'est pas du kilométrage, cette fois-ci, qui est la superficie. On va aller chercher la superficie de la maison au dénominateur et la superficie du bureau au numérateur. Donc, si tu as une maison de 3 étages, sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, donc tu as 3 étages, au dénominateur, on met 3. Et si ton bureau occupe tout ton sous-sol au complet, ben au numérateur, on met 1. Donc, c'est donc dire que ton bureau occupe 1/3 de ton espace habitable, donc tu pourrais déduire 1/3 de tes dépenses reliées à la maison. Mais il y a des conditions, là, on va aller voir ça. Oui, je réponds à la question premièrement. Non, tu peux pas. Il faut, encore une fois, le fameux formulaire dont je vous parlais au début, il faut que l'employeur écrive sur le formulaire « J'ai demandé à l'employé d'avoir un bureau à domicile ». Si tu n'as pas ce formulaire-là, tu peux pas déduire des frais de bureau à domicile. Tu peux pas prendre cette initiative-là par toi-même. Mais tu peux négocier avec ton employeur puis lui demander de remplir le formulaire. Mais sans formulaire, sans attestation de l'employeur qu'il te demande d'avoir un bureau à domicile, tu n'y as pas accès. Madame? Oui, il y a différentes façons de faire le ratio. Non, ça pose une. Non, il y a plein de façons de le faire, le fameux ratio qui est ici, là. Ça peut être en comptant les pièces, ça peut être en comptant les pieds carrés, ça peut être en comptant les étages, en autant que ça soit raisonnable. Ça sera pas compliqué à l'examen. Tu n'auras même pas à te poser la question. OK, premièrement, on va aller voir c'est quoi un bureau à domicile. Parce que il y en a qui pensent que mon employeur me demande de rester le vendredi chez nous pour faire de la facturation, fait que je reste en pantoufle le vendredi, je m'installe sur la table de cuisine, puis je fais de la facturation le vendredi, ça y est, j'ai un bureau à domicile, je vais déduire mes dépenses. Non, c'est plus contraignant que ça, vous allez voir là. Donc, pour qu'un espace se qualifie de bureau à domicile, il faut qu'il respecte une des deux conditions qui sont ici. C'est un « ou ». Soit ton espace à la maison est ton principal lieu d'emploi, ou ton espace à la maison sert exclusivement pour rencontrer des clients ou recevoir des patients de façon régulière et continue. Donc, si on les prend un par un espace pour qu'un espace se qualifie de bureau à domicile, il faut que ce soit ton principal lieu d'emploi. Ça veut dire principal lieu d'emploi, ça veut dire qu'il faut que tu y passes plus de 50% de ton temps. Donc, si tu passes 4 jours au bureau au centre-ville, puis une journée à la maison, c'est pas assez. C'est pas ton principal lieu d'emploi. Il faut que tu y passes plus de la moitié de ton temps. C'est une possibilité. Sinon, si ça marche pas, l'autre possibilité, il faut que le bureau à la maison serve exclusivement à rencontrer des clients ou des patients de façon régulière et continue. Donc, peut-être que tu n'es pas à la maison plus de 50% du temps, mais il faut que, quand tu y es, que tu aies un espace qui soit confiné pour ça. Un espace de la maison qui ne sert qu'à ça et qui ait des gens qui viennent te visiter. Ça veut dire que la fin de semaine, c'est pas un endroit où on déplie une table de ping-pong puis où les enfants s'amusent. C'est pas ça. Exclusivement. Il faut que ça serve exclusivement à rencontrer des clients ou des patients. Donc, c'est un endroit qui est confiné. Tu as perdu cet espace-là de ta maison à des fins personnelles. C'est un bureau, c'est fermé. Il n'y a rien d'autre qui se passe là que des rencontres des clients ou des rencontres de patients. C'est un ou l'autre. L'autre restriction, c'est que tu peux déduire des dépenses de bureau à domicile jusqu'à concurrence de ton revenu d'emploi. Ça veut dire qu'on peut pas créer une perte avec cette déduction-là. Il faut être sûr qu'on dépasse pas notre revenu d'emploi.
Donc, les dépenses, il n'y en a presque pas. Je vais vous le montrer avec un exemple. Tu peux déduire à peu près l'entretien de ta résidence. Chauffage, électricité, puis entretien. C'est tout. Pas d'assurance, pas de taxe municipale, pas de taxe scolaire, pas d'intérêt sur l'hypothèque. C'est pas comme une auto où on pouvait à peu près toutes mettre les dépenses liées à l'auto. Relativement à la maison, on ne peut pas mettre grand-chose. Regardez l'exemple de Joanne. Joanne est avocate pour la ville de Lévis. Son employeur lui accorde, sur le formulaire, là, lui demande d'avoir un bureau à la maison. Elle passe tous ses vendredis à la maison à rencontrer des clients de façon régulière et continue. Donc, le vendredi, là, elle passe tout son vendredi à chaque semaine à rencontrer des clients. Le bureau occupe 85% de l'espace sous-sol. Donc, Joanne, elle a un deux étages. Je peux vous le dessiner, regardez. Elle a sous-sol puis premier étage. Puis le bureau occupe 85% du sous-sol. Donc, il y a une petite portion du sous-sol qui n'est pas occupée, puis le deuxième étage n'est pas occupé. Voici ses dépenses pour sa maison. Vous les voyez comme moi. Et on apprend que Joanne a un revenu d'emploi de 2 100 $. Ça veut dire que son revenu d'emploi, il est pas mal calculé à Joanne. Ses inclusions sont finies, ses déductions sont finies et est rendue à 2 100 de revenu d'emploi. Et la seule déduction qu'elle n'a pas pris encore, c'est la présente déduction pour bureau à domicile. Donc, elle ne pourra pas en prendre beaucoup. Regardez la solution. Intérêt hypothécaire, jamais on peut déduire ça. Assurance de la maison, jamais. Taxe scolaire, jamais. Taxe municipale, jamais. Il n'y a pas grand-chose. Fait qu'elle peut, elle peut qualifier la réparation de sa toiture, le chauffage de la maison et l'électricité. L'amortissement, jamais personne ne peut prendre ça. Fait qu'il y en a juste deux. Juste deux petites dépenses, ça donne 6 000 $. Le ratio, au dénominateur 2 étages, au numérateur 0,85 d'un étage. Ça fait des dépenses déductibles de 2 614. Autre problème, c'est trop, 2 614. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas mettre 2 614 de déduction quand tu as juste 2 100 de revenus d'emploi. Hein? C'est trop. Tu es obligé d'en mettre seulement 2 100. Et le reste va être reportable. Donc, le 2 614, une partie est déductible cette année. Le reste va être déductible l'année prochaine. C'est bon? OK, une dernière déduction, puis je vous parle un petit peu de remboursement de taxes dans les dernières minutes. La dernière déduction, elle vise les employés qui sont des vendeurs à commission. D'accord? Il y a certains vendeurs, c'est pas la majorité, certains employés, pardon, ce n'est pas la majorité, qui sont des vendeurs à commission. Vous savez ce que c'est des vendeurs à commission? C'est des employés dont la rémunération est pas mal, est basée sur leur vente. D'accord? Encore une fois, à ne pas confondre avec les particuliers, les entrepreneurs. Je vous en ai parlé la semaine passée. Il y a une grande différence entre être employé puis être entrepreneur. Puis la principale différence au niveau de la fiscalité, c'est les déductions. Ici, c'est un bar ouvert. C'est phénoménal les déductions qui sont permises ici. Ici, je l'écris tout petit, il n'y en a presque pas. Je vous l'ai dit la semaine passée. D'ailleurs, moi, comme prof d'université, j'ai essayé de démissionner de mon statut d'employé pour faire accroire que j'étais une entreprise. Parce que je veux avoir accès aux déductions. Mais ça n'a pas marché, là, ça ne tenait pas la route, ma stratégie. Donc, la grande différence entre les entrepreneurs et les employés, c'est ça. Puis c'est normal, parce qu'ils n'ont pas la même réalité. Quelqu'un qui est en affaires, c'est une personne qui prend des risques. C'est une personne qui n'est jamais certaine à la fin de l'année si elle va faire des revenus ou des pertes. C'est des gens qui ont réellement des risques de perdre de l'argent dans l'année. Ils sont vraiment à risque. Alors que l'employé, il a zéro risque. L'employé, là, il connaît son salaire, que ça aille bien, que ça aille pas bien. Il sait quel salaire il va faire. Donc, il n'y a aucun risque au niveau des employés. C'est pour ça qu'on n'est pas aussi généreux au niveau des déductions. On est très frileux à donner des déductions à quelqu'un à qui son revenu est assuré. Mais on est très généreux à donner des déductions aux entreprises pour la raison que je viens d'invoquer. Maintenant, où se situe l'employé vendeur à commission? C'est un employé,
Trompez-vous pas, là. C'est pas quelqu'un qui est en affaires. C'est un employé. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il prend des risques? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a pas mal la même style de vie qu'un entrepreneur, la même incertitude, le même niveau de risque par rapport à ses revenus? Donc, un employé vendeur à commission il serait très légitime de demander d'avoir droit aux mêmes déductions que les entreprises. Puis on l'écoute. Ça a du sens. Qu'un employé vendeur à commission vienne dire, hey, je veux les mêmes déductions que les entreprises parce que moi aussi je suis à risque, il a raison. Puis on va l'écouter. Donc, pour un employé vendeur à commission, à chaque année, il a un choix à faire. Comment veut-il être traité? Est-ce qu'il veut les déductions réservées aux employés ou il veut les déductions réservées aux entreprises? À chaque année, il doit décider. Avec ce choix-là vient un avantage puis un inconvénient. L'avantage est évident, plus de déductions. Mais il y a un inconvénient. L'inconvénient de ce choix-là, c'est que c'est limité à tes revenus de commission. Donc, ce choix-là, il est prévu à l'article 8.1F. C'est pas important à l'article, mais c'est juste pour vous dire que partout dans les notes de cours, on fait référence à ça, le 8.1F. Donc, quand un employé demande de faire ce choix-là, vient avec un avantage, c'est-à-dire qu'il peut aller dans la section du revenu d'entreprise puis aller piger dans toutes les déductions qui sont permises. Donc, un avantage évident. L'inconvénient, par exemple, c'est que tout ce qu'il va aller chercher en déduction, ça va être limité à son revenu de commission. Donc, ça dépend. Le choix, des fois, il est avantageux, des fois, il n'est pas avantageux. Ça dépend de tes revenus de commission. Je vais vous le montrer avec un exemple. Mais, à titre d'exemple, imaginez qu'avoir droit à plus de déductions, là, c'est comme un gros buffet. Fait que tu as le choix d'aller dans un gros buffet avec plein de bouffe disponible ou dans un petit repas chiche avec quasiment rien à manger. Tu vas me dire, c'est évident. Mais admettons que tu n'as pas un gros sac, là. Admettons qu'on te donne un sac gros de même, puis qu'on te dit, va-t'en au buffet chinois, puis remplis-le. Eh hey boy! C'est trop gros pour vous, en prendre un plus petit. Un plus petit sac? Pour moi, un sac tout petit, là. Ça. Remplis ça, là. Donc, si j'ai un petit espace, j'ai bien beau arriver à quelque part où il y a plein de choses disponibles, j'ai pas de place, je pourrais quasiment pas en prendre. Mais c'est ça la logique. C'est que 8.1F, oui, il y a beaucoup de déductions, mais as-tu de la place pour les déduire? Si ton revenu de commission est tellement petit que tu n'as pas de place, ça ne sera pas avantageux de faire ça. Tu es peut-être mieux de rester comme un employé normal qui a moins de déductions, mais qui n'a pas cette limite-là. Donc, je vais vous le montrer avec un exemple. Ça va être assez. Donc, les avantages sont en bleu, les inconvénients sont en jaune. Donc, je répète une dernière fois, si tu demandes d'être traité comme un entrepreneur, évidemment, plus de dépenses, malheureusement, tu te limites à tes revenus de commission. Puis l'inverse, si tu demandes d'être traité comme un employé normal, moins de dépenses, mais pas de limites. Regardez l'exemple qui est ici. À droite, demander d'être traité comme un employé normal. À gauche, le buffet. C'est-à-dire, voyez à droite, il n'y a presque rien de déductible. Regardez tout ce qui est gris. Non permis, non permis, non permis, non déductible, non déductible. Fait que, à droite, il n'y a presque rien de déductible. C'est ça, les employés normaux. Il y a quatre petites bébelles. À gauche, les quatre mêmes petites bébelles, plus, 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 tout ce qui est en vert. C'est assez évident, l'avantage. L'inconvénient, c'est ce qui est en jaune-orange. Tes revenus de location, pardon, tes revenus de commission, cette année, sont seulement de 3 500. Donc, il n'y a pas d'autre façon que de faire les deux scénarios. Quelle dépense, quelle déduction je peux aller chercher si je fais le choix 1 versus quelle déduction je peux aller chercher si je fais le choix 2. Puis prenez ce qui est le plus avantageux. Et à chaque année, c'est à refaire. Donc, regardez ici le choix 1. Je prends mes petites déductions de rien. Les quatre déductions qu'on a vues tout à l'heure. Avec un petit peu plus bas, il y avait aussi un bureau à domicile là, qui donnait 325$. Donc, avec le choix 1, 2 500$ de déduction. Maintenant, le buffet. Choix 2. Là, on en rajoute. Les quatre mêmes déductions sont là, mais on rajoute plein d'autres affaires. On en rajoute tellement que ça donne 5 290.
c'est trop. Ton 5290, on te le refuse, puis on ramène ça à 3500. Parce que tu es limité à tes revenus de commission. Donc, 3500 plus des petites bébelles ici, là, 325 qui est ici, ça va donner 3825. Qu'est-ce que vous préférez? 2500 de déduction ou 3008 de déduction? 3008. Check. Dans ce cas-ci, ce serait préférable de faire le choix d'être traité comme, comme un entrepreneur, avec son avantage et son inconvénient. Je vous refais l'exemple, mais je change un chiffre, un seul. Lequel, d'après vous? Et ça va tout changer les conclusions. Vous me voyez venir? Quel chiffre qu'il suffit de changer un peu puis qu'on change toutes les conclusions? Le revenu de commission. C'est exactement le même problème, mais c'est plus 3500 les revenus de location. C'est 2000, pardon, pas de location, c'est de revenus de commission. Donc, on refait le même exemple. Pareil. Donc, premier choix, comme un employé normal, j'ai mes quelques petites déductions raisonnables, là, ça donne 2575, comme tantôt. C'est les mêmes chiffres. Deuxième, le buffet. Donc, les quatre mêmes dépenses, plus, n'importe quoi que les entrepreneurs auraient droit. Ça me donne, on l'a dit tantôt, 5290. C'est trop. On te ramène ça à 2000. Parce que j'ai 2000 pièces de revenus de location. De commission. Rajoutez mon petit 325, ça donne 2325. Qu'est-ce que vous préférez? 2500 de déduction ou 2300? 2500. Dans ce cas-là, vous auriez avantage à demander d'être traité comme un employé normal. Ça dépend. C'est vraiment cas par cas, année après année, qu'il faut se pencher sur ce qui est le mieux pour nous comme vendeurs à commission, puis aller prendre les règles fiscales en fonction du choix qui est le meilleur pour nous. Oui? Je pense que pour avoir droit à ça, il faut qu'au moins que 50% de ta rémunération soit sur base de commission. Il me semble. Je m'avance, là, mais il me semble que c'est ça. Parce que, évidemment, quelqu'un qui ferait 100 000 en salaire et un petit 2 000 de commission, ça serait gentil d'y donner tout ça, là. Alors qu'il n'est pas vraiment à risque tant que ça. Je pense qu'il faut qu'au moins la moitié de ta rémunération soit sous forme de commission, mais ça serait à valider. Oui? 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 Mais si t'as deux emplois, faut que tu te construises deux revenus d'emploi. Le sujet 4, tu l'appliques une première fois pour ton premier emploi, puis ton sujet 4, tu te l'appliques une deuxième fois pour ton deuxième emploi. Puis tu vas additionner les deux à la fin. Okay. Fait qu'un n'affecte pas l'autre. Tu fais ça en silo. Tu traites tes deux revenus d'emploi en silo. C'est des bonnes questions. Autre chose? OK, le dernier thème que je vais... Donc, ça termine le sujet 4. Pas le sujet 4, pardon, le point 4, qui sont mes déductions. Vous voyez ici, c'est terminé. On a vu toutes les déductions possibles pour un employé, c'est-à-dire pas grand-chose, je trouve. Je pourrais arrêter le sujet 4 là aussi, parce que, honnêtement, la boucle est bouclée. Je prends 5 minutes pour vous parler d'un sujet qui dépasse un peu le calcul du revenu d'emploi, mais c'est par la banque. C'est pertinent que vous le sachiez. C'est des situations que vous allez vivre personnellement, puis que vous allez vivre avec des clients prochainement. Un mot sur le remboursement de taxes. OK? Remboursement de TPS, TVQ pour les employés. Depuis plusieurs semaines que je vous explique le contenu de la loi de l'impôt sur le revenu. C'est elle. Ça, c'est la loi de l'impôt sur le revenu. Ça fait des semaines qu'on est à l'intérieur de ça. Je vous ai présenté sa structure, revenu, revenu imposable, impôt, puis on est là-dedans. Pour deux minutes, permettez-moi de sortir de cette loi-là. Je vais aller dans une autre loi que vous connaissez pas, puis qu'on n'étudiera pas. Il en existe beaucoup de lois au Québec, hein? Il y en a des centaines. Pendant deux minutes, on va aller dans la loi qui s'appelle la loi sur la taxe d'assise et la loi sur la TVQ. C'est la loi qui dit comment fonctionnent les taxes à la consommation. Si un jour vous voulez savoir comment ça marche, ben vous lirez la loi sur la taxe d'assise ou la loi sur la TVQ. C'est hyper endormant, comme la loi de l'impôt, mais ça gère le fonctionnement des taxes. Dans cette loi-là, est écrite la chose suivante. Écoutez-moi bien. Là, je lis la loi sur les taxes, hein? Lorsqu'un employé a payé des taxes sur une dépense
et que cette dépense-là est déductible dans la loi de l'impôt sur le revenu. Conséquemment, nous allons rembourser la TPS et la TVQ à l'employé. C'est la loi sur les taxes qui dit ça. Je répète, la loi sur les taxes dit, lorsqu'un employé a payé une dépense et a payé des taxes, et que l'employé a pu déduire sa dépense dans son calcul de revenu d'emploi, en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu, conséquemment, nous allons rembourser à l'employé sa TPS et sa TVQ. Dit en d'autres mots, un employé qui peut déduire des dépenses de son revenu d'emploi, ben par la bande, se donne le droit à se faire rembourser TPS TVQ qu'il a payé sur ces mêmes dépenses. Quand tu vas à l'hôtel, là, tu payes la TPS TVQ sur ta chambre d'hôtel. Donc, quand tu déduis ta dépense, tu as payé de la taxe là-dessus. Bien, tu as le droit de te faire rembourser la taxe. Quand tu mets de l'essence dans ton auto, tu payes la TPS TVQ sur ton essence. Mais si tu déduis ton essence ou une partie de ton essence, tu peux avoir te faire rembourser les taxes sur cette partie d'essence-là. Tu vas au restaurant, tu peux déduire tes restaurants en impôts, bien, tu peux aussi te faire rembourser la taxe que tu as payée au restaurant. Évidemment, tu peux pas dire à la fille à l'hôtel, « Hey, moi, je paye pas les taxes parce que je vais le déduire pour fin d'emploi. » Elle charge les taxes à tout le monde. Donc, tu payes les taxes, tous les employés payent des taxes à l'année longue, mais en fin d'année, les employés peuvent demander un remboursement de taxes. Un remboursement de TPS puis un remboursement de TVQ. Vous voyez les formules? Donc, le remboursement de taxes de TPS, c'est 105/105e de ta dépense, taxe incluse, et ton remboursement de TVQ, 9,975 sur 109,975. Regardez un exemple. Je paye ma cotisation professionnelle, 1 000 $, à l'ordre des CPA. C'est taxable sur une cotisation professionnelle. Tu payes la TPS, tu payes la TVQ. Fait qu'en réalité, tu vas payer 1 150 ta cotisation. Est-ce que je vous rappelle que ça, c'est une dépense déductible. On l'a vu aujourd'hui. Tu peux déduire ta cotisation professionnelle dans ton calcul de revenu d'emploi. Le montant qui est déductible, c'est 1 150. On l'a vu aujourd'hui. Maintenant, en fin d'année, puisque tu as déduit cette dépense-là, tu as le droit de te faire rembourser les taxes. Donc, tu vas demander un remboursement de ta TPS et un remboursement de ta TVQ. Donc, tu vas prendre ta dépense avec taxes fois 105 sur 105 et tu vas encaisser un chèque de 55 $. Tu vas prendre ta dépense taxe incluse, tu vas faire fois ce facteur-là et tu vas recevoir un chèque de TVQ, un remboursement de TVQ de 104 $. Je le sais que ça ne fit pas. Je sais que c'est pas parfait. Regardez, tu as payé 50, tu en rembourses 55. Tu as payé 5, tu en rembourses 104. C'est comme ça quand même. Ça ne fit pas, ça balance pas au dollar près, mais la logique, je veux dire, c'est quand même ça les vrais taux. Puis le remboursement, il arrive pas précis parce que les taux de taxes sont pas pareils dans toutes les provinces. Fait que le fédéral cherche pas nécessairement à ce que ça soit un montant précis. D'accord? Il faut que ça arrive à peu près. Donc, ces deux chiffres-là, là, c'est vraiment des chèques que tu vas recevoir. C'est pas une blague, là. Tu vas recevoir un chèque de 55 $, ça va être marqué « Voici ton remboursement de TPS ». Yes, tu fais ce que tu veux avec. Tu vas recevoir un chèque de 104 $, remboursement de TVQ. Yes, tu fais ce que tu veux avec. C'est vraiment de l'argent qui va rentrer dans tes poches, toi, l'employé. Tu as le droit à ça. Pour vrai, ça se fait sur le rapport d'impôt. Tu demandes ton remboursement de TPS TVQ sur ton rapport d'impôt, puis ça va diminuer ton impôt à payer. En finalité, combien elle t'a coûté, ta cotisation professionnelle? Au net de tout ça, là, t'as payé, t'as reçu un remboursement. Au net de tout ça, ça t'a coûté combien, ta cotisation professionnelle? 991. Et t'as déduit combien dans ton rapport d'impôt? 1 150. Il y a un problème. T'as trop déduit par rapport à ton coût réel. Conséquemment, les remboursements de taxes reçus sont imposables. Le 55 $, tu vas t'imposer dessus et le 104 $, tu vas t'imposer dessus dans ton revenu d'emploi. Pour que ça redevienne équilibré. Donc, les employés ont droit à des remboursements de TPS, remboursements de TVQ. Personne ne devrait se priver de ça, mais faites pas le saut, c'est imposable.
Voilà. Ça va vous arriver, vous allez tous vivre ça, vous allez tous payer vos cotisations professionnelles. Au début, vous allez tous payer des frais de déplacement quand vous allez dans des cabinets. On va vous envoyer à gauche puis à droite. Vous allez avoir une tonne de frais de déplacement que vous allez déduire à l'impôt. Tant mieux pour vous. Puis n'oubliez pas de demander vos remboursements de taxes là-dessus. Vous y avez droit. Même si c'est imposable, on le demande quand même. Good. Merci de votre attention. Je vous propose 15 minutes de pause. Je vous propose de revenir vers à 1h45, s'il vous plaît. On a une belle heure devant nous pour mettre ça en pratique, ce qu'on a vu aujourd'hui.